Hello everyone. My name is Malik Kassem. I'm a project manager at the Green Aviation R&D Network, which I will explain in the following minutes. It's a pleasure to be among you today, and I would like to apologize to you and to the Canadian Institute of Law of Resources Law for, on behalf of my executive director, Sylvain Kovski, for not being able to give this presentation today, as he's currently sitting in his board meeting. And it feels nice to be surrounded by lawyers and former lawyers that are not related to immigration issues. And if you see me stressed out, it's not related to my work permit. My presentation is gonna be in French, so if you have any questions, please don't hesitate. L'ordre du jour aujourd'hui sera comme suit. On va commencer par l'aviation et l'aérospatiale au Canada dans le monde. Qu'est-ce que Garden et qu'est-ce que nous faisons? Et enfin, nous allons voir la réglementation liée aux émissions de gaz à effet de serre. L'industrie aérospatiale canadienne a contribué pour 25 milliards de dollars au PIB national du pays en 2017 et a employé environ 190 000 personnes de façon directe ou indirecte. C'est un connecteur vital et un conducteur de l'industrie touristique qui génère environ 65 milliards de dollars par année au pays. Les compagnies aériennes importent et exportent des biens pour une valeur d'environ 110 milliards de dollars au Canada, ce qui en fait des joueurs importants pour notre économie dépendante du commerce international. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que 75% des produits manufacturés de l'aérospatiale sont exportés à l'étranger, ce qui montre que la technologie canadienne est demandée et elle est très compétitive. D'ailleurs, le Canada a une place importante dans la chaîne de valeur internationale de l'aérospatiale. C'est le premier producteur de simulateurs civils au monde et qui permet de former beaucoup, énormément de pilotes à l'international. C'est aussi le troisième pays pour la production d'avions civils et la production de moteurs pour avions civils. Ces moteurs seront en service, ces avions et ces moteurs seront en service pour 20-25 années. Ça en fait bien sûr une fierté, mais aussi une grande responsabilité, sachant qu'il y a un besoin criant pour réduire l'empreinte environnementale de l'aviation. Donc les joueurs canadiens ont une responsabilité significative et à mener et à être à l'initiative d'action pour l'environnement. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour illustrer cela, c'est la C-Series de Bombardier. Je suis sûr que vous en avez entendu parler ces dernières années. La commercialisation a commencé en 2013 et qui a forcé ses concurrents Boeing et Airbus à remotoriser leurs avions pour être plus verts. Donc on parle de l'A320, A321neo de Airbus et le B737 Max de Boeing. L'aviation représente une part de 12% dans les émissions mondiales des transports et environ 2% des émissions mondiales en général. L'Association du transport aérien international IATA prévoit que la demande pour le transport aérien va doubler entre 2016 et 2035, en passant de 3,8 milliards à 7,8 milliards de passagers. Cette demande en croissance est due à un monde de plus en plus globalisé grâce aux technologies de la communication et des technologies de l'information qui sont constamment en développement, mais également grâce à un accroissement de la population globale et à un accroissement d'un niveau de vie qui permet à plus de monde d'avoir accès à l'industrie aérienne. Cette hausse du trafic viendra également de régions en croissance et émergentes comme l'Asie. On parle ici de l'Inde, de la Chine, de l'Indonésie et du Japon qui vont connaître de fortes croissances de leur trafic aérien. Environ 80% des gaz à effet de serre du transport aérien proviennent des vols civils de plus de 1500 km pour lesquels il n'y a pas vraiment d'alternative pratique. Si vous devez traverser un océan, je pense que vous allez choisir l'avion de toute façon. Pourquoi cela pose-t-il un problème pour l'empreinte environnementale? C'est parce que les émissions nettes sont en croissance. Donc, comme je viens de vous le dire, les transporteurs aériens ont utilisé 7,6% plus de carburant entre 2015 et 2016. Pourtant, l'efficience énergétique et les technologies développées constamment par l'industrie permettent de réduire les émissions depuis les années 50, des premiers vols, on a réussi à réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre, mais cette réduction ne permet pas de combler la hausse du trafic. Donc la quantité de gaz à effet de serre émis est de 1,4 mégatonnes de plus par les transporteurs canadiens en 2015 et 2016.
L'industrie aérienne globale est tout de même consciente de cette problématique et de son propre gré a décidé de confronter les problèmes en mettant en place des objectifs écologiques internationaux qui vont dans l'intérêt de la société globale et ce, à travers des organismes de gouvernance internationale comme l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et le groupe d'action pour le transport aérien duquel est tiré le graphique que vous regardez. Malgré que l'industrie aérospatiale n'a pas été considérée dans l'accord de Paris afin de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, l'industrie s'est placée des objectifs ambitieux afin que sa vision soit en concordance avec les autres industries. Le premier objectif est l'amélioration de l'efficience énergétique de 1,5% par année entre 2009 et 2020. Au Canada, elle est de 1,73% entre 2008 et 2016, ce qui montre qu'on est sur le bon chemin. Le deuxième est la stabilisation. À partir de 2020, les émissions de carbone nettes issues de l'aviation seront plafonnées à une croissance sans émissions de carbone et ce sera possible grâce à la petite partie en orange que vous voyez qui sont les mesures économiques et qui est CORSIA, le dispositif mondial de compensation des émissions de CO2 de l'aviation et dont je vais parler dans la troisième partie de la présentation. Le troisième objectif, c'est la réduction de 50% des émissions nettes de carbone comparativement au niveau de 2005 et ce sera possible grâce à plusieurs choses. Ce que vous voyez en vert, ce sont les technologies connues, les améliorations des opérations et des infrastructures. Ce qui donc est en orange, ce sont les mesures économiques de marché. Et ce qui est en bleu, c'est les biocarburants et les technologies de l'avenir. Ces objectifs sont ambitieux mais nécessaires, sachant que l'accord de Paris prévoit une empreinte environnementale personnelle de 2 tonnes en 2050 pour atteindre l'objectif de 1,5%. Cependant, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, un aller-retour Montréal-Paris correspond déjà à ces 2 tonnes. Donc on ne parle pas de qu'est-ce que vous faites le reste de l'année, mais un aller-retour, vous avez déjà consommé ce que vous devez consommer pour atteindre l'objectif du 1,5% et ça vous donne une idée à quel point nous sommes loin. Le CORSIA est un mécanisme... excusez-moi, CORSIA va venir tout à l'heure. Toute cette problématique pousse à réfléchir sur les actions imminentes qui doivent être entreprises et c'est justement ce que fait Garden. Donc le groupement aéronautique en recherche et développement en environnement, plus connu sous l'acronyme Garden, a été créé en 2009 par l'industrie aérospatiale canadienne et les réseaux de centres d'excellence menés par l'entreprise qui est un programme fédéral. Nous sommes une organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir les technologies vertes pour le transport aérien, propre, silencieux, soutenable ici, je ne suis pas très d'accord, j'aurais préféré durable, et en encourageant la créativité, la collaboration et le financement. L'objectif est d'accroître la compétitivité de l'industrie aérospatiale canadienne, sachant que la performance environnementale des produits aérospatiaux devient un différenciateur clé et une nécessité environnementale, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et comment est-ce qu'on le fait? À travers le financement de soutien de projets industriels de recherche collaborative. Un des éléments prouvant justement le succès de cette stratégie de financement, c'est le fait que chaque dollar financé par les réseaux d'excellence est parallèlement suivi ou matché par 2 dollars des industriels. C'est un effet de levier intéressant pour les petites et moyennes entreprises qui d'ailleurs sont les meneurs des 11 des 18 projets du portefeuille Garden et qui bénéficient grandement du support financier, leur permettant d'allouer plus de fonds à la recherche et développement. Facteur important pour l'accroissement de l'innovation et la compétitivité des entreprises canadiennes. Garden et ses membres ont atteint des objectifs très importants pour le transport civil canadien international. Sur l'image du haut, vous pouvez voir le Falcon 20 du Conseil national de recherche du Canada, qui était le premier avion civil au monde à être propulsé par biocarburant. Sur l'image de gauche, vous voyez le premier vol commercial du Canada propulsé par biocarburant, et ce sont tous des entreprises canadiennes qui sont dans ces projets. L'image du bas, c'était la première fois que du biocarburant a été directement intégré dans le système d'approvisionnement d'un aéroport au Canada, et c'était arrivé à Pearson International le 19 avril dernier. Pour marquer l'événement, le 22 avril, le jour de la Terre, 22 vols civils, commerciaux, ont décollé de Toronto avec 30% de biocarburant pour des destinations domestiques, ce qui était une première au Canada, mais tout récemment. Garden s'est montré un pionnier depuis le début de son mandat en 2009. Cependant, Garden touche également les matériaux composites, les systèmes de propulsion hybride et électrique et les systèmes de gestion de vol, comme vous pouvez voir dans l'image de droite.
On a le président de CMC Electronics, une compagnie canadienne qui a été créée en 1908, qui exporte sa technologie de système de gestion aux transporteurs ukrainiens Antonov. Cette petite liste non exhaustive vous permet de comprendre l'importance du travail fourni par une cinquantaine de membres, incluant 200 personnels hautement qualifiés, 15 universités de recherche et environ 30 petites et moyennes entreprises à travers le Canada, et qui ont un incitatif à moyen et long terme de collaborer tout de suite afin de se créer une place de choix dans l'industrie. Garden a été mentionné dans la stratégie fédérale pour le développement durable comme étant un des acteurs qui prennent action pour contrecarrer l'impact des GES au Canada. Un des projets Garden dont je voudrais vous parler spécifiquement est mené par le groupe AGECO, une entreprise d'ici même, de Québec, et qui a pour objectif d'analyser la chaîne de valeur et de déceler des tendances significatives en termes d'initiatives écologiques, à travers un sondage anonyme auprès des entreprises du Canada, dans le réseau de l'Association des industries aérospatiales du Canada, dans le réseau de Garden et dans celui des producteurs et exportateurs canadiens. On dénote que parmi les entreprises répondantes, 60% pensent que les initiatives écologiques peuvent aider l'industrie à être plus compétitive. La même proportion ont déjà reçu des demandes pour des produits plus écologiques de leurs clients et 90% pensent qu'il y a une demande de marché pour l'éco-design ou des produits plus écologiques. Ce sondage nous montre donc que les joueurs de l'industrie sont conscients de la nécessité d'entreprendre et de proposer des technologies écologiques, non seulement pour des raisons environnementales, comme je l'ai mentionné, mais également pour des raisons d'économie de marché, de débouchés et de compétitivité. Maintenant, la partie qui vous intéresse vraiment. Il faut savoir que l'aviation a été, dès la création de l'ONU, un enjeu important pour lequel il fallait impérativement trouver des organes d'échange et d'accords internationaux. L'Organisation de l'aviation civile internationale, qui avait pour mission dès sa création en 1944 avec la Convention de Chicago menée par les États-Unis, avait pour but d'assurer la sécurité et la sûreté des passagers, d'améliorer la capacité et l'efficacité des opérations aériennes, assurer le développement économique de l'industrie et surtout, ce qui nous intéresse ici, la protection de l'environnement. Donc l'OACI, l'acronyme pour l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, réglemente sur deux sphères différentes tout ce qui est technologie, tout ce qui est réglementation technique qui touche aux émissions de l'avion et tout ce qui est réglementation de marché qui a pour but de justement taxer les émissions futures et on va en parler tout de suite. Pour les réglementations techniques, la première, les normes et pratiques recommandées sont des spécifications techniques adoptées par le Conseil de l'OACI qui permettent d'atteindre le plus haut niveau possible d'uniformité des réglementations, des normes, des procédures et des organisations reliées aux aéronefs, au personnel, aux voies aériennes et les services auxiliaires pour toutes les questions pour lesquelles une telle uniformité facilitera et améliorera la navigation aérienne. Le deuxième point, c'est les standards pour les émissions de CO2 pour les nouveaux avions qui sont mis à jour par l'OACI en fonction des discussions et des négociations ayant lieu au Conseil. Le 6 mars 2017 à Montréal, les 36 États siégeant sur le Conseil de l'OACI ont adopté un nouveau standard pour les émissions de CO2 pour les nouveaux avions et la norme s'appliquera aux nouvelles conceptions de type d'aéronef à partir de 2020, aux conceptions de type d'aéronef déjà en production en 2023 et aux aéronefs en production en 2028 qui n'auront pas répondu à la norme, ne pourront plus être produits, sauf s'ils modifient suffisamment leur conception. En ce qui concerne les réglementations de marché, on a CORSIA, qui est défini comme le système de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation internationale. C'est le premier mécanisme de marché mondial pour lutter contre le changement climatique et ce, quel que soit le secteur industriel. L'industrie aéronautique mondiale, coordonnée par le groupe d'action du transport aérien ATAG, a largement contribué dans la proposition du plan et encourage maintenant les États à l'appuyer. La première phase pilote sera de 2021 à 2023. La première phase du processus sera de 2024 à 2026. Ces deux phases ne s'appliqueront qu'aux États volontaires qui voudront bien participer. Actuellement, CORSIA couvre environ 80% du trafic aérien mondial. Les États-Unis, le Canada et plusieurs pays européens sont volontaires, mais vous savez très bien que volontaire ne signifie pas grand-chose de nos jours. Et la deuxième phase de 2027 à 2035 s'appliquera à tous les États, qu'ils soient volontaires ou pas.
dont la part du trafic mondial est supérieure à 0,5%. D'ailleurs, dès le 1er janvier 2019, les États devront nécessairement mesurer et partager avec l'OACI les émissions des vols internationaux que les compagnies aériennes opèrent dans tous les pays, en se rapportant d'abord à une agence nationale en charge de récupérer les données, qui seront ensuite centralisées à l'OACI afin de structurer convenablement les prix et les méthodes de report des émissions futures. Pour la phase pilote de 2021 à 2023, ce sera les mesures qui vont être centralisées pour l'année 2019-2020 qui vont servir de, excusez-moi l'anglicisme, benchmark pour justement contrôler et savoir qui va payer combien. Au niveau national, le deuxième volet des régimes de réglementation pour l'aviation, elle est gouvernée par les États. Elle est donc sujette à la volonté des gouvernements successifs. Au Canada, le programme qui chapeaute le tout est la stratégie fédérale pour le développement durable et qui inclut le cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques qui a instauré une tarification de la pollution dont on a longuement parlé hier et qui prévoit une redevance sur l'essence de l'aviation d'environ 4,98 cents et qui sera mis en application en avril 2019 et qui va grimper jusqu'à 12,44 cents le litre en 2022. Et elles s'appliqueront à l'Ontario, au Saskatchewan, Manitoba et Nouveau-Brunswick, qui n'ont pas de tarification provinciale en place. Le Conseil national des lignes aériennes du Canada, qui estime que ces tarifs vont faire augmenter, forcer les lignes aériennes à supprimer des services sur certaines liaisons en raison de leur faible rentabilité commerciale. D'après le Conseil, les clients vont se tourner vers les Américains qui sont moins chers et vers les Québécois, le marché québécois, qui, eux, ne vont pas avoir cette réglementation. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée, je me suis amusé à faire un petit test hier soir. Si on prend un B747 qui ferait une liaison Londres-New York, le plein est de 82 000 litres d'essence. Au prix de 4,98 sous, ça ferait un coût de 4 000 $ environ. Divisé par les 450 passagers à bord, ça ferait environ 9 $ par passager. Le président du Conseil national des lignes aériennes canadiennes a envoyé une lettre au ministre McKenna de l'Environnement, ministre Garneau des Transports et le premier ministre Justin Trudeau pour leur demander de revoir la réglementation et d'exclure l'aviation de la tarification sur la pollution. Au niveau national, on a également le plan d'action du Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation. Le plan prévoit plusieurs initiatives pour réduire les émissions, comme le renouvellement et la mise à jour de la flotte, les améliorations aériennes plus efficaces, des opérations aériennes plus efficaces, l'amélioration des capacités de gestion du trafic aérien, la R&D aéronautique en environnement, c'est exactement ce que fait Garden, les carburants alternatifs, les opérations au sol, et l'utilisation des infrastructures portuaires, la coordination internationale et les mesures réglementaires. Pour ce dernier point, Transport Canada suit simplement de près ce qui se décide à l'OACI pour l'aviation internationale en termes de standards d'émissions. Par contre, le Canada a des ambitions plus élevées que la majorité des autres pays en termes d'efficience énergétique en visant une moyenne de 2% par année entre 2005 et 2020. Finalement, Environnement et changement climatique Canada a appelé en 2016 tous les acteurs potentiels afin d'avoir leur avis sur les normes et les combustibles propres, dont le but est d'accroître l'utilisation des combustibles, des sources d'énergie et des technologies à plus faible teneur en carbone, comme les biocarburants pour l'aviation, par exemple. Les biocarburants sont extrêmement importants et c'est le moyen le plus pertinent, si je peux dire, pour réduire les émissions, car ils sont capables de les réduire entre 50 et 80%. Et les raisons pour lesquelles le Canada est un peu en retard sur ce domaine-là, c'est que la réglementation n'est pas encore claire. La norme sur les combustibles est prévue pour 2022, incluant des éléments sur le carburant alternatif, ce qui n'encourage pas vraiment les investisseurs à venir au Canada, à s'implanter et à entreprendre, sachant que ça coûte énormément d'argent à faire ces investissements et sachant aussi que les biocarburants sont 2 à 3 fois plus chers que le kérosène traditionnel. Donc les compagnies aériennes ne sont pas forcément motivées à développer ce genre d'entreprise, sachant que leurs marges bénéficiaires sont déjà extrêmement faibles. Ce sont donc des programmes qui préparent à la réglementation future et d'ailleurs,
environnement, la norme sur les combustibles propres vient appuyer le plan pan-canadien sur la tarification du carbone. Donc ça prépare à la réglementation future et c'est justement mon point de clôture. Le Canada était l'un des premiers à diriger les discussions relatives aux réglementations auprès de l'OACI. Cependant, le Canada semble être retardataire maintenant par rapport à d'autres pays, tels que la Finlande, les États-Unis ou encore la Suède, qui, par exemple, comptent remplacer tout, absolument tout, le volume de carburant, le kérosène traditionnel, pour l'aviation domestique en biocarburant d'ici 2030. Il est aussi important ici de préciser que l'aviation est un peu spéciale et touche aussi toutes les industries qui ont un problème de compétitivité internationale. C'est que les négociations se font à l'OACI en groupe et une fois que les accords sont faits, un État aurait du mal à imposer des politiques qui seraient un peu plus sévères sur sa politique nationale au détriment des compagnies aériennes concurrentes, surtout sachant qu'on est extrêmement proche des États-Unis, qui ont un marché de l'aviation beaucoup plus grand que celui du Canada. Par rapport à toutes ces initiatives vertes, je plug un peu mon organisation, bien sûr. Garden prépare la plus grande conférence nationale sur l'aviation verte à Ottawa le 13 et 14 novembre prochain. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter garden.org. J'espère vous avoir suffisamment éclairé sur les défis relatifs à l'aviation et merci pour votre attention.